Je m'excuse, je travaille en même temps parce que j'ai pas beaucoup de personnel, je suis obligé de travailler. C'est la première fois que tu fais deux choses à la fois, Nico, ou pas dans ta vie? Non, 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 j'arrive à me frotter le ventre, à me taper sur la tête. Nico, Apocalypse, c'était un bon engagement et c'est pas raté? Bah oui, la sortie du programme de printemps, j'avais vu cette course-là le 1er avril. Fallait peut-être le prendre à la rigolade, mais nous on a préparé ça à fond. L'avantage qu'elle a eu aujourd'hui, c'est de prendre un bon départ, parce que des fois elle est un petit peu loin au milieu de parcours, au kilomètre, elle fait un effort et quand elle arrive en ligne droite, elle a un peu moins de ressources. Mais aujourd'hui elle a vraiment été bonne parce qu'elle a pris un bon départ, Christophe a réussi à la maîtriser en partant, donc ça s'est pas couru sur un bon pied, ils ont été très doucement, il a réussi à la décaler et puis après elle est courageuse, elle a bien jailli, elle a fait une belle ligne droite. C'est le départ, t'as fait toute la distance. Tu démarres pas bien, Bravo, Chris. Elle avait montré de la qualité en début de carrière, elle a eu un petit passage à vide, qu'est-ce qui s'est passé? Perte de confiance totale parce que débutée second à la Capelle, après elle a été seconde ou troisième sur l'herbe à 3 ans à Francheville, gagnée à la Capelle pour sa troisième course en 17-2008, qui était une très bonne performance, et après ça, perte de confiance totale, le favori un soir à Vincennes, 2008, petite piste, elle s'est affolée, elle est partie au galop, et après elle a fait ça 3 fois de suite. Et on a réussi à la redémarrer à l'Autosar, à Enghien, par une seconde place. Et après, l'hiver est arrivé, elle a enchaîné des performances, des secondes places, des quatrièmes, des troisièmes. Et c'est vrai qu'elle n'avait pas gagné, elle a gagné, c'est sa deuxième course seulement. Est-ce qu'on peut dire que ce soir, elle a gagné la course au départ? Ah bah oui, ce soir c'est tout à fait ça, parce que ça s'est joué au départ, surtout qu'il n'y avait pas de train. Donc Christophe a bien joué le coup de prendre tous les risques pour essayer de la partir. Yeah.